tinge sa malade là, mo pa ti koni. Mo pa senti nonye. Mais mon trouve li. Mon trouve boubou là, mais c'est maman pa ti pe pense à compte. Mais comme au garçon, je m'ai pas mené ma co docteur. Là ici mo pa ti li. Mo pa ti li, mo dit mo pa passer mo bonhomme tin fait mo. Tout ça là une traverse devant moi, mo tient ti pépé. Mais finalement quand mon al que docteur, je m'ai dit bien opérer moi. Mais moi met tout dans la main là-haut là. Et moi dire mon camarade qui a le même problème, pas besoin de père. Madame Missier, bienvenue dans sa émission là tous les années dans le monde entier. Mois octobre, elle est consacrée à sensibilisation au cancer sain, met l'accent aussi au dépistage précoce qui est un meilleur moyen pour combattre sa maladie là et aussi pour gagner un meilleur soin. Cancer sain, vous connaissez ces premiers types de cancer qui affectaient Ban Madame avec plus de 2,3 millions de cas en 2022 et plus de 670 000 décès dans le monde. Dans Maurice aussi, cancer sain, les premiers types de cancer qui affectaient Ban Madame. Le mois d'octobre, c'est le mois qui est décrété le mois de sensibilisation au cancer du sein. Je vous ai entendu parler. Le Pink October ou bien Octobre Rose. Au fait, ça c'est une campagne annuelle qui nous fait à travers le monde. L'objectif, c'est de favoriser la prise en charge, la prise de conscience sur les réalités par rapport à sa maladie-là. Et surtout, ce qu'ils nous essayent de faire, c'est nous essayer d'inciter les gens à travers le monde de porter une attention particulière à la santé de leur sein. Pourquoi tant de focus sur cette maladie, qui nous dit le cancer du sein, qui fait nous dédier un mois en entier, l'Octobre rose, à cette maladie, pour sensibiliser les gens à cette maladie? Ben, nous gagnons la réponse quand nous avons anticipé le fardeau qui sa maladie l'a pesé, le bilan qui s'est fait, et au niveau mondial, et dans les pays individuellement, y compris Maurice. Nous devons dire qu'il n'y a aucun pays qui est à l'abri, pratiquement dans tous les pays du monde. Nous avons un patient de cancer du sein. Un patient, c'est en majorité, en grande majorité, les dames. Nous avons moins que 1% de cancer du sein qui nous trouvait chez les hommes. Si nous pouvons être bien, en termes de statistiques, comment on peut dire, le bilan est lourd en termes de morbidité et mortalité. Et ce n'est pas que ça. Il y en a aussi l'effet qu'il y a amené sur les aspects psychologiques, financiers, familiaux, etc. Si nous pouvons être dans le monde, déjà tendance du cancer même, il y a une tendance ascendante. Ça veut dire que si nous pouvons être les chiffres de l'année 2022, d'après le Globocan, nous pouvons trouver que nous avons détecté 20 millions de nouveaux cas de cancer. Et nous avons enregistré 9,7 millions de décès liés au cancer. Et dans tout ça, là, le cancer du sein chez les femmes est en deuxième position. Et le numéro 1, c'est le cancer poumon. Et ensuite, nous avons cancer du sein chez les dames. 11,6% des nouveaux cas. Qu'en est-il à Maurice? Nous pouvons trouver que nous follow un petit peu les tendances mondiales. Il y en a beaucoup de facteurs qui font ça, qui sont liés à nos modes de vie, la sédentarisme, nos façons de manger, nous avons une aging population. Bon, et aussi, de l'autre côté, nous avons beaucoup plus de femmes qui ont pour un dépistage, se font détecter et se deviennent de l'avant pour le traitement. D'après le Registre national du cancer, qui est compilé pour l'année 2022, nous avons plus de 3000 nouveaux cas de cancer en totalité qui nous ont enregistrés. Et là-dedans, nous pouvons trouver nous dépassons 600 nouveaux cas de cancer du sein. C'est le numéro 1 aussi de cause de cancer chez les dames et dans la population en entière. Et aussi chez les dames, c'est première cause de mortalité liée au cancer. Un cancer, n'importe quel cancer, nous avons une cause exactement qui nous capable d'associer avec ce développement.
La plupart du temps, c'est multifactoriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui apportent un changement génétique qui développe un cancer. D'abord, un cancer, c'est quoi? Bon, dans le corps, en temps normal, dans un état de bonne santé, toutes les cellules qui nous sont dans le corps, dans tous nos organes, sont divisées dans une façon très organisée. Faire un certain nombre de cycles de division, là, vous êtes adapté, vous êtes programmé pour arrêter de diviser par vous-même. Comme ça, nous avons une nouvelle cellule qui peut former, après nous avons une cellule qui peut mort, comment nous dire, et là, ça garde une balance dans la totalité de nos cellules. Dans un cancer qui est arrivé, dans le corps, sa organe, sa place que sa cancer a développé, nous perdons contrôle lors de la division cellulaire qui arrive et nous avons un changement génétique, ce qui nous dit une mutation dans un gène qui contrôle la division cellulaire qui fait que cette cellule-là, on dirait que ça arrive dans le sein, cette cellule-là continue de diviser d'une façon incontrôlable. Il y a un nom qui met un full stop à ça. Ça éventuellement forme une boule de cellules de cancer, c'est une cellule abnormale qui arrive, qui fait les dangereux. Alors, cette cellule abnormale-là, ce qu'ils ont fait, ils ont entravé une cellule normale dans cette fonction. En plus, ils ont le potentiel d'envahir un tissu, un organe qui se trouve tout autour. Et aussi, ils ont le potentiel de métastaser. Ça même qui nous dit un cancer propagé ou bien fané pour arriver à un stage 4. Ça se fait soit par être propagé par nous disant dans un vaisseau sanguin ou bien être capable aussi de propager par nos systèmes lymphatiques. Ça veut dire ce qui est arrivé, le cancer là, il est sorti depuis dans le sein, quand il a commencé, il a la cisé, il a propagé dans les autres organes. Avec le cancer du sein, fréquemment, nous trouvons que nous avons les os qui peuvent être affectés, le poumon, nous les foies ou même le cerveau. Ça, c'est une place que un cancer sain est prédisposé pour aller métastaser. Personne n'est à l'abri d'un cancer du sein, ça c'est vrai. Mais on a certains facteurs de risque qui font qu'un immune est capable plus prédisposé à développer un cancer du sein. Il augmente la probabilité que cette personne-là développe un cancer du sein. Dans un premier lieu, nous avons deux choses. Un, le sexe féminin, ça veut dire du moment où une personne est née fille, sa prédisposition d'avoir un cancer du sein est beaucoup plus élevée comparée que chez l'homme. Ça veut dire nous trouver que plus que 99% de bandes de cancer de sein lient chez les femmes. Et aussi avec l'âge, au fur et à mesure l'âge augmenté, la probabilité qu'un immune développe le cancer du sein lient augmenté. Mais là, nous faire attention, de nos jours surtout, nous avons beaucoup bandes moins âgées, bandes plus jeunes, qui peuvent être détectées avec bandes cancer du sein. Quand il y a une tendance, reste surtout plus agressif. Si une personne a déjà un cancer dans ce sein, enfin on dirait un côté, la probabilité qu'il développe un cancer dans l'autre côté de ce sein, ça aussi est un petit peu plus élevé. Nous avons un risque de 10 à 15% qui nous développe un cancer du sein de l'autre côté. Aussi, si nous trouvons dans la famille, nous avons des personnes qui atteint de cancer, donc ça veut dire si on a une positive family history, nous avons un risque de 20 à 25% pour développer un cancer du sein. Si nous avons un parent au premier degré qui est affecté, là, nous retrouvons avec un risque 2 à 3 fois plus élevé pour développer un cancer du sein. Nous avons aussi un facteur comme si nous exposés à la radiation, si nous faisons un excès d'alcool, nous faisons un abus d'alcool, ou bien nous trouvons une personne qui est obèse, surtout après la ménopause. Cette personne-là est plus à risque de développer un cancer.
Nous avons aussi une situation qui favorise un milieu hormonal pour qui un cancer de sein est développé. Ça veut dire une situation telle que quand une personne lit ménage tout, lit gagne ses règles à un âge précoce, ou bien une personne qui développe cette ménopause assez tardivement, ou bien une personne qui gagne cette première grossesse à un âge assez tard, ou bien nous avons un patient qui utilise un traitement à base hormonale pendant longtemps. Ça, cette personne-là, c'est un risque particulièrement élevé pour développer un cancer du sein. Il y en a à peu près 5 à 10 % de cancers de sein qui ont été prouvés, qui sont liés à un facteur héréditaire. Ça veut dire un facteur, un gène qui passait dans la famille. Allons dire une minorité des cas. La plupart des cas, c'est lié à une mutation dû à un facteur dans l'environnement, dans ça veut dire comment nous-mêmes nous prenons compte de nous la santé. Donc, il y a pas mal de choses qui sont modifiables, qui nous capables de prendre en main pour gérer nos risques, pour diminuer nos risques. Capable de diminuer l'impact de ce facteur de risque-là. Pas un choix de comportement qui est un petit peu plus healthy, tel que nous maintenir un poids correct au cours de la vie. Nous pratiquons une activité physique régulièrement, nous focusons sur une alimentation saine, nous évitons un abus d'alcool, un excès d'alcool, et aussi, très important, l'allaitement maternel, l'allaitement au sein de vos enfants, ça vous protège. Donc, il y a pas mal de choses qui nous capables de faire au nos niveaux pour diminuer le risque qui nous développe ce cancer-là. Qui est le symptôme cancer sain? Le plus souvent, nous avons un patient qui présentait avec un nodule, une grosseur, ou bien une bosse au niveau de ce sein, ou bien je remarque un épaississement, un durcissement de ce sein, et ça interpelle ce. Ceci dit, il est important de savoir qu'il me fait remarquer qu'il n'y a pas toute une masse mammaire, pas toute une masse, toute une grosseur dans le sein, veut dire qu'il y a un cancer. Non! Ce n'est pas vrai du tout. Au fait, plus nous jeunes, surtout à l'âge moins de 55 ans, la plupart, nous allons dire plus de 90 % de bonne masse, de bonne, ça veut dire nodule, qui nous palpait dans un sein, ce n'est pas cancer. C'est plutôt bénin. Il est capable d'une infection, il est capable d'une fibroadénome, il est capable d'une kyste. Mais rester à la maison chez soi, nous pas pour connaître. Il est très important de nous faire nous-mêmes être consultés, nous aller nos médecins pour nous connaître exactement la marche à suivre. Du moment où nous remarquons qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le sein, nous bisons à de l'avant, get nos médecins. Autre bon changement qui nous capable de trouver, qui capable d'interpeller nous capable de trouver une modification dans le sein là même, sa grosseur, sa forme, sa apparence. Les capables par rapport au sein même ou bien les capables par rapport au mamelon. Et nous capables remarquer un changement dans la peau du sein ou bien tout autour du mamelon dans l'aréole et dans un stage un petit peu plus avancé que l'infiltration les beaucoup. Nous capables remarquer que le sein sur la peau il développe un aspect de peau d'orange. Quand il est bien rough, comme une lapose orange, comme ça. Et ça, normalement, il dénote un stage qui est un petit peu plus poussé. Et un petit peu plus rarement, un patient capable de présenter avec un écoulement sanguin des mamelons ou bien un autre écoulement qui est abnormal. Il ne peut pas rester à la maison, il peut venir de l'avant pour que ce docteur, pour faire un test, pour guetter qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait, qui peut provoquer ça. Un cancer du sein, normalement, quand je commence à sortir depuis que j'ai été, je commence à aller à l'endéor, c'est normalement à travers le système lymphatique. Sous les aisselles, c'est la place que je suis allée dans un premier temps. Ça veut dire qu'il y a aussi pas mal de fois que tu as un patient, probablement il n'y a pas remarqué, n'en y est
au niveau ce sein, mais il finit avec une grosseur, une masse dans les aisselles. C'est là qui nous déclenche les tests d'investigation que nous avons trouvé que c'est un cancer qui probablement peut originer depuis dans les seins. Maintenant, nous avons aussi des cas que malheureusement, les patients pas vraiment prendre note de les symptômes dans un stage précoce. Probablement, les symptômes là même pas très remarquables. Je viens avec les symptômes qui est lié à une métastase. Ça, c'est un stage avancé. Situation que nous retrouvons nous fréquemment, c'est probablement un patient venu avec une douleur osseuse. Nous capables même d'avoir une fracture pathologique liée au cancer du sein. Sinon, nous capables d'avoir un patient, par exemple, venu avec une toux sèche qui pas passé avec un médicament, un sirop qui se prend pendant un peu de temps. Un patient capable de venir tout simplement avec un souci de perte d'appétit, se trouver l'estomac un peu ballonné, ventre un peu gonflé un petit peu, qui est capable de lier à une métastase au niveau de nous les foies. Une métastase cérébrale aussi assez fréquente avec cancer du sein, donc où la patiente est venue avec un maux de tête, surtout très matinal. Nous vraiment comme si faire l'appel à un patient nous encourage dès qu'ils trouvent une chose qui n'est pas correcte, viennent de l'avant pour que si toutefois il y a quelque chose, ça se fait détecter dans un stage précoce que ce traitement est beaucoup plus facile. L'estuguette Stella, comment faire le diagnostic du cancer du sein et aussi qui ban différents types de traitements il y a pour sa bonne patiente là. Une fois on finit avec tout médecin, l'indremoque qu'il y a quelque chose de douteux dans le sein, vous avez fait un test qui pour faire un diagnostic qui était ça sa grossesse dans le sein. Et après un test du sang, où il y a pour faire une mammo, où il y a pour faire une échographie. Quand on finit faire une mammo et une échographie, nous allons détecter est-ce qu'il y a une lésion, une grossesse qui paraît suspicieux, qui est capable d'être un cancer quand nous finissons l'analyse. Là, ce qui nous fait une biopsie, et la biopsie de la grosseur, elle est analysée par un pathologiste qui peut donner le diagnostic pour nous dire est-ce que vraiment sa grosseur qui est dans ou celle-là, est-ce qu'il y a un cancer ou bien il y a une grosseur qui est bénin. Une fois qu'on finit de faire la biopsie, il est très important qu'il nous fait un stage de la maladie. Pour nous connaître qui traitement plus approprié qui nous peut donner pour traiter ce cancer là. Alors le stage lui consiste bien sûr où vous avez fait un scan, vous avez fait un test sanguin, où vous avez fait les échos pour nous guetter est-ce que la maladie est propagée ou pas. Mais aussi quand on finit faire ça écho du sein là, nous fait un assessment, nous guetter un petit coup est-ce qui dans certains cas vous connaissez même qui nous capable faire chirurgie premier. Et dans des cas que nous pas qu'à faire chirurgie, nous faire chimio premier. C'est là qui ou oncologue en collaboration avec le chirurgien pour décider qui plie bon plan de traitement pour ou cancer du sein qui finit diagnosé par la biopsie. Alors, comme on nous dit, il y en a certains patients qui font chirurgie avant, il y en a certains patients qui font chimio avant. Alors quels sont les types de chirurgie qui existent pour un cancer du sein? Il est important de connaître que, dépendant du stage et de l'extension de la maladie dans le sein, nous sommes capables de faire une mastectomie qui nous, nous enlève au sein. Mais aussi, il est très important qu'il nous puisse faire un curage axillaire pour nous connaître est-ce qu'il y a une glande en bas ou les bras sont affectés ou pas. Pour certains patients qui désirent préserver le sein, nous sommes capables de faire une chirurgie conservatrice. Que nous tirons grossière là, nous faisons une excision de la tumeur avec une margine qui est assez pour qu'il n'y ait pas de récidive. Alors, quand nous finissons faire ça, nous ne devons pas oublier aussi qu'en même temps, nous pouvons bien faire ce curage axillaire là pour qu'il nous connaisse est-ce qu'il y a une glande qui est affectée ou pas. Autre façon de procéder dans cet cas de cancer, coûte la chirurgie au commencement n'est pas faisable, nous devons faire chimiothérapie pour qu'il nous capable diminuer l'étendue, la dimension de la tumeur en premier lieu et deuxièmement nous aussi assesse est-ce qu'il nous met une marocelle ou ça cancer là ou pas.
Quand nous réussissons à diminuer sa grossièreté là-dedans, ça devient plus facile et devient plus approprié pour le traitement qui un chirurgien par la suite les cas faire ou mastectomie ou une chirurgie conservatrice avec curage axillaire pour essayer d'éliminer complètement le cancer depuis sa côté sain là. Quand vous finissez faire l'opération, là ou allez vers un oncologue, c'est lui qui vous plane d'après sa rapport histologique qu'un pathologiste écrit là pour dire où qui séquence et qui traitement est approprié pour. Alors il y a multiples modalités de traitement et il y en a la chimiothérapie, il y en a la radiothérapie, il y en a l'hormonothérapie et puis il y en a l'immunothérapie. Chaque cancer, chaque stage, chaque patient, ce traitement est différent, dépendant de la présentation de ce cancer. Ici, nous faisons le contourage, ça veut dire qu'un patient a besoin de la radiothérapie, il fait ce qu'on appelle la simulation, et ensuite c'est un CT scan qui nous prend pour ce l'écho, pour la place concernée, quand il a besoin de la radiothérapie, et nous transfère une image là, dans le computer ici, là on peut trouver coupe par coupe, nous besoin d'éligner toute une structure qui nous pense importante. Par exemple, ici, là, les besoins de radiothérapie à la place que l'on opéré. Donc, nous besoin aussi contour le sein opposé, poumon, les deux côtés, l'équerre, ça veut dire ce spinal cord, etc. Pour nous assurer qu'il y ait un bon dosage dans la place que l'on a envie de traiter le cancer. Et aussi bah, une structure qui, dans les alentours aussi, vient recevoir une dose qui est raisonnable et acceptable pour qu'éventuellement, il n'y ait pas gain, bah, une toxicité cardiaque, pulmonaire, etc. Ces derniers temps, nous avons beaucoup d'évolutions sur la prise en charge même du cancer du sein. Comme dire, une bonne évolution, que ce soit en termes d'infrastructure et même les structures, la façon de la prise en charge. Nous essayons avec le temps d'améliorer, augmenter comme si nos gammes de médicaments qui nous sont là pour être un petit peu plus à pointe avec les développements, avec les recherches qu'ils peuvent faire, qui montrent qu'il y a un médicament qui est plus efficace dans quel cas de figure. Par rapport à la radiothérapie, nous brûlons une étape très importante qu'auparavant, nous pouvons faire la radiothérapie deux-dimensionnelle. Et là, nous passons à ce qu'on appelle la radiothérapie trois-dimensionnelle, qui est très conforme. Alors, qui ça représente pour les patients? Donc, ils viennent dans l'environnement même, qui est beaucoup plus accueillant, plus agréable, psychologiquement, qui fait beaucoup plus du bien. Et aussi en forme de traitement même. C'est un traitement qui est plus conforme, donc nous expectons qu'il nous capable de donner le patient ou la patiente une dose de radiothérapie que ce maladie était ou bien que le champ post-opératoire avec ben, l'effet secondaire beaucoup plus réduit dans un organe qui dans la proximité du sein que nous avons pour faire le traitement. Et aussi, dans certains hôpitaux, nous venons avec un projet pilote, ça veut dire le concept de breast clinic. Dans sa breast clinic-là, ça veut dire nous guettons uniquement patients avec un trouble lié au sein. Parmi un cancer et parmi les autres patients avec une condition beaucoup plus bénin aussi. Alors, ce qui est arrivé, le médecin là-bas, il est capable de force-track tout un cas qui, comme je disais, nous avons une suspicion de cancer. Nous sommes capables de force-track ce patient-là pour qu'ils fassent une investigation beaucoup plus vite. Biopsie est réalisée dans un channel de force-track, ce bilan métastatique, etc. Nous avons le concept de MDT. Ça veut dire une prise en charge pluridisciplinaire, un oncologue qui visite un hôpital, là, ça veut dire être assisé avec pathologiste, chirurgien, radiologue et n'importe quel autre médecin qui sous contribution les pour aide à la prise en charge du patient. Nous assisons, nous discutons, nous work out the way forward, nous rédigeons le plan de traitement
et nous channel le patient vers soit la chirurgie ou bien vers l'oncologue pour les autres traitements qui les visent. Qui type cancer qui plus commun chez ban madame dans Maurice? Réponse A, cancer du sein. Réponse B, cancer colorectal. Avoye ou réponse A ou B, le 5-251-63-63, sa semaine là, ou pour gagner une balance, pour prendre ou poids. Voilà, nos émissions finies ici. Nous finissons cause le cancer sain, leur traitement qui est là, leur accompagnement ban malade et aussi leur l'importance faire dépistage bonaire pour gagner un meilleur traitement. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour une autre émission.